nous-mêmes, BESAC, ensemble avec différentes organisations dans la société civile, là, comme COSAO, JIDA, TANSA, COPS, INOA, ensemble de l'autre organisation, nous avons décidé de reprendre la mobilisation que nous avons lancée. Hein. Nous connaissons, nous lançons la mobilisation ça, depuis vendredi 26 janvier à travers un bat ténèbres par rapport pour nous exprimer le problème que le pays a lui-même la confronté, l'insécurité généralisée. Là, nous gardons le problème qui a passé côté que gang établi tout partout dans le pays, dans différents quartiers, côté qui a attaqué la population. Hein. Nous connaissons ça qui passait Kafoufeuille, ça a environ 4 à 5 mois. Ça qui passait Solino, côté que bandits attaquent la population, ils boulent les cailles, ils mettent la population dehors, ils tuent. Ça qui fait que ce passé la peine, côté que une vingtaine de monde, bandits massacrés. Et il y a un parent qui a chassé tout le monde à l'école, côté que bandits tirent les yeux, parents ça lui-même pété. Et là, nous connaissons ça qui passait sous zone Mariani, sous grand axe sud-là. Bandi pas quitter transport au fait, yo pas quitter chauffeur ou continuer vaquer avec activité pour la population en service et yo même à l'intercepter yon petit bateau qui t'a transporté yon quinzaine de monde qui t'a vle jwenn yon moyen pour que yo même yo organiser yo régler activité yo. Et situation ça malgré différents appels que nous lancer à l'état haïtien, yo pas décidé répondre. Et c'est dans sens ça nous même au niveau des brigades syndicales anticorruption du conseil avec différentes organisations ça nous décider relancer mobilisation à partir de dimanche 4 février 5 lundi 5 mardi 6 mercredi 7 nous déclarer mobilisation générale et nous demander peuple là pour lever camper pour que lui même pour protester pour demander un plus bon l'état qui capable répondre avec revendication. Et dans ce sens ça nous connaît mobilisation qui nous était lancée semaine passée à travers 3 jours de grève générale. Et par rapport avec la situation, nous connaissons la population à vivre. La question de l'école, là, qui est importante pour la société. Là. Lorsque nous avons un ensemble de secteurs, particulièrement le secteur éducatif, qui répondent avec nous dans quatre batailles, ça, et nous ne pouvons pas nous perdre. Ce matin net, nous avons annulé le troisième jour de grève. Là, côté que, à partir de lundi 5 février, mardi 6 février, nous déclarons grève. Là, reprendre deux jours de grève générale sur tout le pays là, pour que nous continuions. Forcer l'État lui-même pour prendre responsabilité parce que nous pas qu'à on peut nous pas connaître son gouvernement qui était à l'élection qui a gagné en légitimité mais son gouvernement de facto par rapport avec position dans l'État yo supposé bay population tout accompagnement possible. Nous connaissons un CSPN qui là yo pas jamais travail fait on sait des rencontres pour passer instruction avec la police armée et je dis à là nous connaissons que gouvernement tellement ouais importance force ça que ce soit l'armée. Moi, je crois que le cortège PM Ariel Henry a plus de 1 centaine de militaires dans la force armée d'Haïti avec pour la sécurité. Il y a des autres gens au niveau de l'État qui prennent plusieurs militaires dans la force armée pour la sécurité. Il y a une force police là, nous connaissons quantité de gens. Plus ça, c'est 2000 gens qui détachés avec différentes autorités dans l'État. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas pour qu'ils fassent jumelage là pour permettre que la police avec l'armée bâille la population en sécurité. Parce que nous ne disons pas besoin de support international sur la question de sécurité. Parce que nous connaissons les pays avec des coopérations bilatérales, multinationales. Donc, dans ce sens-là, nous demandons pour l'État lui-même, pour prendre responsabilité, pour ramasser caractère. Et je dis à la population à victime trop, nous connaissons trop sans couler. Différents massacres qu'a fait, je dis à la, nous croyons que l'île est le temps pour l'État de dire ça l'a fait au gouvernement et PM Ariel Henry pour dire ça l'a fait pour que la question de sécurité pour rétablir dans le pays, pour débloquer grand axe parce que nous ne sommes pas capables encore. Question ça qui gagne point de péage là, chauffeur ou pas gagne moyen ça encore. Et c'est pour ça que nous demandons tout secteur, j'en ai été fait là avec Brigade syndicale anticorruption, avec ensemble d'autres organisations pour continuer à protocoler avec nous, pour respecter, observer deux jours de grève que nous lançons sur tout le pays à partir de lundi 5, mardi 6 février 2024 là, pour continuer à demander l'État à prendre responsabilité sur question de sécurité.